Voilà, salut, salut, bienvenue à tous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir l'astuce qui permet de transformer son téléphone en ordinateur. Donc, j'avais déjà fait la vidéo, mais c'était une mauvaise version, donc je l'ai supprimée pour recommencer la vidéo. Voilà. Donc, d'abord, quand vous regardez la vidéo, ça vous fait croire que j'utilise un ordi, pourtant c'est un simple téléphone. Voilà. Je peux ouvrir des fichiers. Voilà. Je peux le manipuler comme un ordinateur. Pourtant, c'est mon téléphone. Oui. Oui. Donc, pour manipuler, vous devez utiliser la touche de volume plus ou moins. Voilà. Volume plus. Pour sélectionner, voilà. Là, ça fonctionne exactement comme un ordi. Ouais. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'application qui permet de faire ça. Voilà. Je l'ai sorti pour vous permettre de. D'abord, je vais vous montrer comment faire apparaître le clavier. Même nous allons ici. Voilà. Vous faites apparaître le clavier. Vous appuyez sur le clavier qui est caché derrière là. Ce que vous voyez, voici ici. Voilà, le clavier apparaît maintenant. Vous voyez, c'est si simple. Maintenant, je vais vous montrer l'application qui permet de faire ça. Ce que vous voyez. Donc, je vais juste ressortir pour vous montrer l'application. Voilà. Donc, l'application qui permet de faire ça, cette application-là qu'on appelle Win98 Simulator. L'application est téléchargeable sur Play Store. Voilà, l'application s'appelle Win98 Simulator. Donc, après avoir téléchargé l'application, s'il y a quelque chose dedans que vous ne comprenez pas, donc vous pouvez laisser un commentaire. Voilà, je vais vous répondre dans les brefs délais. Merci à tous.